Aujourd'hui, t'as besoin de... What to do? Aujourd'hui, on fait des poitrines de poulet farcies. Tout le monde sait que des poitrines de poulet dans la vie, ça peut être plate en tabarouette. Fait qu'on va essayer de pimper ça pour que ça soit pas l'affaire la plus dolle que t'aies jamais mis dans ta bouche. Première étape, on va venir les ouvrir en portefeuille. Ceux-là ont pas été coupés par moi, ont été coupés chez le boucher. Puis c'est vraiment des petites poitrines en fait. C'est un peu la merde. Mais bon, peut-être que toi aussi tu vas te pogner avec des petites poitrines et ça va être un peu la merde. Fait que je vais te montrer comment les ouvrir pour que tu aies un peu d'espace pour farcir ta poitrine. Tu fais une incision premièrement comme ça. Après ça, tu viens faire une deuxième incision, voire plus l'ouvrir encore. Puis tu peux même en faire une dernière si ça te tente pour l'ouvrir encore plus. Le but, c'est juste de pouvoir l'étendre le plus possible sur tout son long. Fait que là, il est quand même pas mal étendu sur tout son long. La salmonelle, c'est pour demain. Enfin, hein? On va switch it up a bit, hein? Changer les dictons, hein? Oh, mais j'ai pris ma grosse planche pour couper mon poulet. Merde. Ça va être la petite planche pour le reste des opérations. On vient se faire une farce, on va prendre des épinards, on va aussi prendre un peu d'ail et une échalote française qu'on va venir couper. Ah! Hey, ça va bien aujourd'hui? Un cheveu dans le rouge à lèvres, ça va bien dans le petit dent, dans la vie. Je me fais très rarement des couettes parce qu'en fait ça me va pas bien. Mais là, j'avais pas le temps de prendre ma douche. Puis mes cheveux sont deg, puis je me suis dit, bah, je vais me faire une couette, tu sais, ça va être nice. Puis là, genre, je me fais une couette comme d'habitude avec tous les cheveux pendant la rap, puis je suis comme, est-ce que c'est laid? En fait, la raison première pour laquelle j'aime pas ça, c'est à cause de ces petits cheveux-là. On dirait, genre, c'est comme si j'avais des favoris, genre. C'est vraiment sexe. Puis là, je me suis dit, ah, mais je vais laisser comme deux couettes en avant, genre, puis ça va recouvrir de même, ça va être fucking nice. Puis là, j'arrête pas d'avoir des cheveux dans la bouche depuis tantôt. Je vais prendre mon pressac parce que je suis une marde. Et on va venir se mettre tout ça dans la poêle. Un peu d'huile. On prend notre pressail. Fait qu'on garde notre pressail prêt juste à côté. On prend notre feu. Moins élevé. J'avais pu partir avant. Maintenant, faut attendre. On va venir faire tomber nos échalotes. Là, c'est pas grave si ça fait pas de piche parce que de toute façon, on veut pas tant les colorer. Là, on veut plus les faire tomber que d'autres choses. Donc, une fois que c'est pas mal tombé, on ajoute l'ail. Pour une minute même pas, parce qu'on veut pas que ça brûle. Parce que quand l'ail, ça brûle, ça veut quand même, c'est dégueulasse! Une fois que c'est pas mal ce qui est ça, on vient ajouter les épinards. Les épinards sont vraiment pas beaux, mais vous avez pas besoin qu'ils soient beaux parce qu'on les mange pas frais, on les fait cuire. Fait que c'est pas grave. Vous voyez, c'est comme ça qu'on explique pourquoi on a des épinards. C'est parce qu'on voulait faire une tombée d'épinards, fait que c'était pas grave. Mais à ma défense, j'ai pris des épinards à 50% de valeur. Parce que je suis pas beau. Fait que j'étais déjà deg quand je les ai eus. On va venir saler, poivrer tout ça. Et voilà. Donc, notre mélange d'épinards est prêt. Donc, on va faire notre mélange de panure à l'anglaise. À l'anglaise, pourquoi? Je ne sais pas, mais je vais vous montrer ça a l'air de quoi une panure à l'anglaise. On a besoin d'œufs qu'on va venir battre légèrement.
besoin de farine. C'est un peu beaucoup de farine. Puis de la chapelure. De la chapelure qui peut être de la chapelure française classique qui est juste mis de pain écrasé. Tu peux cliquer sur ma face pour aller voir comment faire ça. Et sinon, tu peux prendre, comme que j'ai aujourd'hui, de la belle chapelure panko. Prochaine étape, on va venir assaisonner nos poitrines, nos pochettes de récipients à garniture à poitrine farcie. On va faire ça des deux côtés. C'est le moment le plus fun de la recette. On vient farcir nos poitrines de poulet. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre... Bon, je mets le prosciutto en premier, ouais. Fait qu'on met le prosciutto. On peut même s'en mettre deux tranches parce qu'on s'aime. Parce qu'on aime ça se faire plaisir. Ensuite, on vient mettre notre mélange d'épinards. Et on termine avec beaucoup de fromage. Et maintenant, on vient juste rouler tout ça. Ben, rouler. Le refermer sur lui-même. Ouais. Sans que ça sorte trop. Puis on vient mettre sur le côté comme ça. On va venir rouler dans notre mélange farine, œuf et panko. À cette étape-ci, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez peur pendant la manipulation du poulet pour pas qu'il s'ouvre et que la garniture sorte, vous pouvez vous mettre des petits cure-dents juste pour venir tenir tout ça ensemble. Quand vous êtes trop BS pour laver votre poêle pendant que vous êtes en train de cuisiner, bien, vous pouvez juste prendre la même poêle que vous avez utilisée pour faire cuire d'autres choses, slash la poêle que j'ai pris pour faire cuire les épinards. Et vous pouvez juste prendre un essuie-tout et enlever l'excès de produits qui restent dans votre poêle. Et voilà! Magie! Fait qu'on va y se mettre quand même une bonne quantité d'huile dans le poêle. Notre poêle, on la veut extra hot. Comme moi. Ça l'était quand même facile. Parce qu'on veut juste vraiment venir faire colorer notre poulet vraiment rapidement. Et après ça, on va sacrer ça dans le four. Donc là, c'est bien chaud. On va se prendre notre poitrine. Le son du bonheur. Je vais brasser un peu pour mettre de l'huile partout. Bien grillé de tous les côtés. Je vais se mettre dans une plaque dans le four. Enlever nos cure-dents pour pas qu'ils brûlent. Puis on laisse ça au four un gros 20 à 22 minutes. J'en ai coupé une pour regarder si c'était cuit. Et un petit 2 minutes de plus, je suis sûre que ça va être juste parfait. Moi, je les ai laissés 20 minutes, mais ça dépend toujours à 400, toujours. Ça dépend de la chaleur de votre four. Bon, on va regarder ça. Et voilà. On va goûter à ça, ça a l'air épique, sérieux. Sérieux. C'est la cosse.